Bienvenue les vacances sur New World TV. Ah oui, le boss des événements sportifs. D'intenses plaisirs à vivre avec nos programmes riches et variés. Ces vacances, c'est nos stress avec la Coupe du Monde féminine, les éliminatoires de l'Euro 2024, les phases finales de l'Euro U21 et la Ligue des Nations. C'est aussi nos stress avec nos dessins animés hyper fun. Des séries aussi intrigantes que passionnantes. Des feuilletons assez captivants. Les écrans de New World TV régalent à loisir vos yeux. Avec New World, c'est du kiff total. Ces ouais. Vacances. Ouais, ouais. 2500 seulement et vous avez droit au bouquet New World TV pour zapper à jamais le stress. New World. Now you are watching. Salut, bonne arrivée à ce numéro assez spécial d'Afrobiz News où on vous l'avait promis. Durant toute la campagne des vacances 2023, New World se positionne en vous offrant son programme No Stress. Et justement, dans cette logique, du 8 au 16 juillet prochain, pour la deuxième fois consécutive, la chaîne panafricaine sera sur le Festival des Evala. Pour en parler justement, nous avons avec vous, ou plutôt avec nous, Donis Aïvi, chef département médias et relations presse à Sigma. Bonne arrivée, Donis. Merci, merci. Grand plaisir de t'avoir avec nous pour parler beaucoup plus événements, événementiel. En effet, c'est là. Alors, c'est la ça va très bien. Bien. Ouais. Alors, du 8 au 16 juillet prochain, c'est le grand Festival des Evala en pays cadien. Ouais. Un événement qui ne se passera pas sans New World TV. Alors, le programme s'appelle No Stress et justement, c'est une série d'événements qui auront lieu sur place pour la deuxième fois, puisque l'année passée, en 2022, nous étions encore sur place où nous avons offert des moments de plaisir au travers de trois séries de spectacles et la tradition sera respectée encore cette année. En effet, comme vous l'avez dit, l'année passée, nous avions eu donc assez d'événements au niveau de Kara, en dehors des concerts qui ont été organisés, des street concerts qui ont été organisés. Tout au long de l'UT Evala, il y avait eu aussi des déploiements terrain avec New World qui a été vu partout. La ville de Kara brandée aux couleurs de New World. C'est ça cette année, dans le cadre de la nouvelle campagne que New World a lancée, dénommée No Stress. Ouais. New World se déplace encore avec un nouveau concept, New World Traditour. C'est vrai, New World Traditour, ce n'est pas seulement Kara, ça va être dans toutes les localités où on aura des fêtes traditionnelles. Bien sûr. Mais le départ, c'est Kara avec ces trois événements, trois dates, trois événements, les 13, 14 et 15, dans la ville de Kara. C'est vrai, pour la spécificité des activités de New World, ce n'est pas dans un cadre fermé, dans une salle, mais c'est en plein air, c'est avec le public. New World veut être au contact des publics, raison pour laquelle on mobilise donc des artistes de renom oui. qui sont du moment. Mais la particularité, ça va être le 15. Oui. On reviendra là-dessus. Bien sûr, d'accord. Ouais. On retient quand même que ces trois dates inédites, 13, 14 et 15 juillet à Kara. Et pourquoi avoir spécifié New World Traditour cette année? New World Traditour cette année, comme je le dis, ça devient un concept désormais. Okay. L'année passée, on était parti comme ça, mais à partir de cette année, avec Evala, ça devient New World Traditour qui va se répéter chaque année avec ce label-là. D'accord. New World Traditour, okay. qui va sillonner les villes. Après Kara, on aura à Bobozan, à Isan ouais. et Pékpé, comme on l'a fait l'année passée. D'accord. Ouais. La stratégie, c'est de montrer aussi cette valeur de cette chaîne qui essaie aussi de promouvoir la culture togolaise, ouais. comme on le voit sur la chaîne New World Magazine. Ouais. On a même des films, des séries qui sont dans la langue locale. Bien sûr. New World encore se déploie sur le terrain avec cette valeur de culture-là. Déjà, l'émission-là s'est consacrée aux artistes. Bien sûr. Ce qui veut dire que New World offre ses plateaux à ces artistes-là pour faire leur visibilité, ainsi de suite. Mais au niveau du pays, on essaie aussi de mettre en avant les valeurs endogènes qu'on a. Si au niveau des fêtes traditionnelles, les luttes et voilà, ainsi de suite, on essaie de mettre ça sur les écrans de New World. Ça permet au monde entier de découvrir un peu nos valeurs culturelles, les valeurs qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Bien sûr. Alors, les vacances seront nos stress sur la chaîne New World TV. Justement, on parle d'événements, on parle d'artistes. Nous avons avec nous le Bevou. Qu'est-ce que tu avais, chérie? Conny Gangstar. Ouais. Bonne arrivée sur New World TV. Merci ça beaucoup. Va, c'est la première fois que tu passes oui, par ici. Oui, c'est la première fois. Alors, comment se porte la Bevou Revolution? Oh, je passe bien au KLM. Et quoi, va? Elle va bien. Elle rentre quand, finalement? Paraît-il qu'elle vit à Paris? Oui. D'accord. Alors pour cette année, tu es avec nous, tu es sur le projet New World Traditour. Et tu seras en attraction le premier jour de spectacle, c'est-à-dire le 13. Oui, le 13, le 13. À Kara. Alors prêt? Je suis prêt. On va tout casser. Tu le connais déjà très bien. Oui, oui, effectivement. Ouais. J'ai plein de fans là-bas. Ok. Donc on va tout casser. Casser.
Ok. Alors, la drill, c'est ta spécialité. On va regarder un peu ton univers dans un extrait de clip vidéo. Ok. Alors Donis, on vient de le voir, Kony Gangsta en extrait de clip vidéo, il ne sera pas seul sur scène le 13. Le 13, Kony Gangsta sera accompagné de cette lot qui est déjà à Accra. Oui, il est déjà là-bas. Pardon? Il est déjà là-bas. Oh, oui, bien sûr. Cette lot est déjà à Accra, ouais. Avec des concerts à l'ouverture même de la foire. Et voilà, à part lui, on aura King Maz, Sali, ouais. On a des artistes de renom de moment, de Lomé et de Kara qui seront sur la scène avec lui. On aura avec King Maz, Dave Crown et bien d'autres encore. De toutes les façons, tout a été fait pour pouvoir mettre tout le monde ensemble, c'est-à-dire les artistes du Nord et aussi du Sud. Une forme de brassage aussi. Nous sommes un peuple. Voilà. Donc, on ne peut pas faire de distinguo entre les artistes. Bien sûr. C'est vrai que ça se passe à Kara. On aurait souhaité que ça soit uniquement avec les artistes de Kara. Mais New World, visant à embrasser tout ce qu'il y a comme valeur sur le territoire, a jugé bon d'associer et les artistes de Lomé. En tout cas, ce n'est pas seulement les artistes de Lomé désormais. C'est les artistes du Togo et du monde. Voilà, parce que les clips, ça dépasse les territoires. Bien sûr, bien sûr. Alors, Kony Gangsta, on n'aura pas forcément que Nobody sur scène. Il y aura aussi d'autres titres. Oui. Des titres à succès. Effectivement. Ouais. Toujours la Gbevu Revolution. Ok. Alors, la drill, tu iras avec toute ta clique ou bien tout seul? Avec mon manager. Avec ton manager. Oui. Alors, ok, d'accord. Accra, est-ce que tu as le sentiment d'être très bien aimé à Accra? Oui. Oui, là-bas, je me sens tellement bien. Ok. Ouais. D'accord. La dernière fois que tu étais à Accra, c'était quand? J'ai oublié. Mais c'était pas trop quand même. Ok. Tu as oublié. Mais ce qui est sûr, forcément, grâce à New World, tu retournes encore à Accra. Oui. Ok. Tu promets que c'est pour voilà aussi. Exceptionnel au public de Accra. D'accord. Alors, rendez-vous est pris le 13 juillet 2023 à Accra. Précisément où? Et le premier conseil, ce sera sur le. La voix de Koza, le terrain ASCO, comme on l'a dit. C'est un événement à ciel ouvert. À ciel ouvert, comme je viens de le dire. On bloque la voie, comme l'année passée, on a bloqué le carrefour. Oui. On a fait notre concert. Ça va être cette année encore la même chose. La même chose. Oui. Histoire de permettre à tout le monde de pouvoir participer à la fête. C'est pour le public. D'accord. Alors, Kony, merci d'être passé. Merci à vous aussi. On se retrouve à Accra. Ok, d'accord. Ok. Alors, on marque une courte pause. On revient juste après. Ça y est, la lutte traditionnelle Evala en pays Kabyé débarque sur New World TV. Soyez au rendez-vous du 8 au 16 juillet 2023 sur votre chaîne New World Magazine pour suivre et vivre en direct l'adrénaline des combats ancestraux où seuls les plus forts et les plus rusés l'emportent. Vous êtes annonceur? Eh bien, saisissez l'occasion et rejoignez-nous pour l'action et l'émotion au cœur de la tradition. Contact 96 93 93 10 70 26 76 76. New World TV, now you are watching. Alors, Donis, on revient pour parler maintenant des autres événements. Il n'y aura pas seulement que de la musique sur scène, il y aura aussi de l'humour. En effet, le 14, on aura des humoristes. En tout cas, ceux qui sont en vogue actuellement. Que ce soit dans la région de l'Accra, je viens de le dire, ou surtout dans un territoire national, mais aussi en dehors du Togo. Le doyen, il est là. Je vous laisse l'occasion. Bien, le doyen, on parle justement de deux côtés. Ça va être un brassage humoristique entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Bonne arrivée, deux côtés. Merci. Un habitué du Togo, finalement. Hein. Tu te sens désormais plus togolais qu'ivoirien depuis un certain moment? Moi, je n'ai pas vu frontières. Hein. Si toi, tu as vu frontières. D'accord. Moi également, j'ai brisé les frontières. Ah, donc, ça va? On est déjà nés. Et Amélie, elle se porte bien? Ça y est là. Ah, d'accord. Finalement, tu vas l'épouser ou pas? Non. Peut-être que celui qui t'a traduit, il a fait ça en arabe. Okay. Sinon, c'est elle qui doit donner l'argent. L'argent, ok. Ah. D'accord, ok. Bon, c'est parfait. L'ancêtre du syndicat. Oui. Voilà. Je suis le fondateur. Voilà. Du syndicat. Concepteur. Voilà. Du syndicat.
africain. Alors de côté, merci encore de nous rejoindre. Merci de me faire le plaisir d'être là à Lomé. Ouais. Et bientôt, Sukara, le 14, c'est le rire aux Evala. Et tu es avec ton fils, ouais. L'intombable. Ça va? On lui passe le micro. Alors, le 14, vous serez en grande attraction au Palais des Congrès de Cara. Non, pas forcément. Pas Palais des Congrès, mais sur l'esplanade de LK. D'accord, Shell. Ok. Ouais. Toujours grand public. Toujours grand public. Alors, paraît-il que vous êtes le sosie du ministre togolais de la Sécurité. Parfois, des gens en doutent. Est-ce qu'on peut avoir la preuve aujourd'hui? Mais je ne sais pas pourquoi ils doivent douter. S'il y a eu lieu de douter, qu'ils viennent au ministère. Et on va se croiser là-bas. S'ils ont des soucis, on va les aider. À mieux comprendre. Le message est passé, monsieur le ministre. Merci. Alors, monsieur le ministre, également sur cet événement du 14, Rire aux Evala, vous serez également en prestation avec deux côtés. Au-delà de l'artiste de côté que vous affectionnez particulièrement, quelqu'un que vous considérez comme votre papa, y aura-t-il aussi d'autres artistes sur scène qui vont vous accompagner aussi? Bien évidemment, parce que il faut le dire aujourd'hui, dans le septentrion, je vais dire à Cara, il y a beaucoup d'artistes qui émergent dans le domaine humoristique. Okay. Et nous avions bien voulu, à travers notre association dont je suis le président, UKM, Union des Cabiais du Monde, vous voyez sur le chapeau, vous êtes bien inscrit, rassembler tous ces artistes-là autour d'un concept, le rire et voilà. Okay. Voilà. Et Dieu faisant, sur la route, nous avons croisé un partenaire New World TV et nous avons bien voulu travailler avec eux. Voilà. D'accord. En tout cas, ce sera un show inédit, 100% humour. De côté, le public de Canard, vous le connaissez? Oui, le connaître, c'est trop dit, mais je crois que j'ai été une ou deux fois. Oui, on a été une année invité spécial. L'équipe de la série Ma Famille a invité spécial, je crois que aux Evala, je ne sais plus quelle année. Mais c'est le même public, hein, okay. C'est le même public. J'ai dit qu'il n'y a pas de frontières, sauf que c'est le blanc qui a dit, bon, toi tu t'appelles A, l'autre s'appelle B. Mais c'est le même public, hein, depuis l'aéroport. On ne peut pas dire qu'on connaît un public. Mais peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais les amener à me connaître. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas? De côté. Ah, je ne vais pas voir dans l'esprit de tout le monde. Ah. Et puis, sachez que, bon, d'autres m'ont connu à travers la série Mythique Ma Famille. Et Ma Famille, aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui étaient encore plus petits. Mais à côté de ça, on essaie de faire notre bonhomme de chemin, de créer d'autres trucs à côté de la série Ma Famille. Il y a d'autres qui me connaissent, il y a d'autres qui doutent, mais bon, on ne peut pas dire, même Dieu même. Il y a d'autres qui ne le connaissent pas, donc moi je ne suis pas au-dessus de ça. Alors c'est quoi le secret pour rester toujours en forme, humoristiquement parlant bien sûr? Bon, même le secret, il y a d'autres qui disent, mais tu vieillis pas, non? Quand tu souris... C'est Amélie qui fait bien son travail. Non, quand tu souris, quand tu ris à tout moment, tu ne vieillis pas. Le rire, il est thérapeutique, il soigne. Imaginez dans une cour, il y a deux enfants ou bien deux personnes, il y a un qui est toujours là, mine serrée. Moi-même, Et puis il y a un qui est là, lui il rit à tout moment. Quand maladie vient là, maladie rentre dans. Là. Celui qui rit à maladie, lui là, on dirait n'est pas normal. Et puis ça le dépasse. Donc, la voyez consultation un peu... elle est gratuite à la clinique de côté. Oui, elle est gratuite. Elle sera encore deux fois plus gratuite à Cara. Oui. À Cara. En tout cas, ceux qui sont déjà à Cara, restez-y. Pour le 14, c'est ça le 14? Le 14, oui. Voilà. On rappelle encore une fois, Donis, l'endroit où aura lieu cet événement. Esplanade, station LK, Shell, Cara 1. Bon, il sait où ça est, mais cette fois-ci, c'est venez. Hein, pour ceux qui n'ont pas encore les moyens pour y arriver, commencez à partir à Cara. Parce que ça sera, c'est pas gratuit, hein, je vous informe, c'est cadeau. Voilà, c'est pas gratuit, c'est cadeau. Parce que gratuit, là, on dirait que mais cadeau, tu viens, et puis si tu n'es pas satisfait, on paye ton transport, tu vas te retourner. Voilà. D'accord. Alors, les tombables, est-ce qu'on peut savoir, on peut avoir une idée un peu de ce qui aura sur scène? C'est vrai qu'on ne peut pas essayer de l'avoir en termes de prestations, mais dis-nous, c'est quoi le menu essentiel de cet événement-là? Oui, fondamentalement, si nous nous sommes inscrits dans la logique de New World Tradito, parlons de la tradition, oui. Et nous avions voulu soulever une particularité à travers le feelings qu'on aura à faire. Et nous voulons sortir un humour
particulier, bien sûr, là, qui est fondé sur des aspects traditionnels, donc culturels. D'accord. Alors, nous ne viendrons pas sur scène pour faire à la française. D'accord. Voilà. Ceci dit, du premier humoriste jusqu'au dernier, il y a un feeling, il y a un schéma qui est tracé. Et à la fin, on pourra véritablement cerner le contenu de ce que nous avons voulu faire. D'accord. Soit c'est de la sensibilisation, soit c'est des messages éveil de conscience. Parce que l'humoriste, en réalité, il est appelé soit à éveiller les consciences, à sensibiliser, éduquer, former. Mmh. C'est un peu comme les mass médias. D'accord. Voilà. Et puis apprendre les gombos aussi, petit. Il ne faut pas oublier ça. C'est important. C'est important, les voilà. Gombos. Ah, d'accord. On rappelle que c'est vous qui gérez tout ce qui est organisation autour de cette série d'événements aux Evala. On rappelle encore une fois que Evala, ce n'est pas forcément les trois séries d'événements, c'est aussi de la retransmission en direct des luttes dans les différents cantons. Dans les différents cantons, tout ce qui ira comme arène, vous aurez à suivre en direct sur la chaîne magazine de New World, que ce soit au Togo ou dans le monde entier. Tout le monde vibre au rythme de ceux qui sont à Accra. Okay. J'ajoute pour la date du 14 qu'en dehors des artistes humoristes, on a aussi Ralicia, la fille de Accra, qui va les accompagner. Qui sera aussi sur scène. Si, c'est sur scène avec eux. Mm. Ouais. Bien. Alors, les gars, messieurs, on se retrouve à Accra. Oui, on se retrouve. J'aimerais dire quelque chose. Mm. Oui, c'est vrai, vous avez parlé de Vala. Vous avez parlé aussi de Evala Rire. Et surtout, je profite de l'occasion pour remercier d'abord nos amis, parce que je repartais. Hein. Mm-hmm. Je repartais et puis nos amis du KM, je repartais, ils m'ont attrapé à travers leurs partenaires. En tout cas, merci à vous. Merci de penser à l'humour. Mm-hmm. C'est très, très important. Parce que imaginez dans un pays où personne ne rit. Et merci aussi à l'UKM Union des Cabiais du Monde. Cabiais du Monde. Ouais. Et merci spécial à mon jeune frère, mon enfant. Ouais. Ouais, c'est mon fils qui se bat, pour les humoristes. Oui, oui. Mm. Oui, quelqu'un qui se déplace, qui va à Bigan pour dire papa, je suis venu pour apprendre auprès de toi. D'accord. Non, je crois que c'est grand. C'est un bon fils. Voilà. J'espère que le père aussi va retransmettre, mais va transmettre tout ce qui est comme héritage. Ouais. Sauf l'argent. Ah non, sauf l'argent. Ah, d'accord. Bien les gars, on se retrouve le 14 juillet à Accra. Merci d'être passé. Amen. On marque une courte pause et on revient parler du dernier spectacle qui aura lieu le 15. Ça y est, la lutte traditionnelle Evala en pays Kabyé débarque sur New World TV. Soyez au rendez-vous du 8 au 16 juillet 2023 sur votre chaîne New World Magazine pour suivre et vivre en direct l'adrénaline des combats ancestraux où seuls les plus forts et les plus rusés l'emportent. Vous êtes annonceur? Eh bien, saisissez l'occasion et rejoignez-nous pour l'action et l'émotion au cœur de la tradition. Contact 96 93 93 10 70 26 76 76. New World TV, now you are watching. Spécial Evala 2023, c'est avec Neo TV, également sous la coupe du programme No Stress pour ses vacances 2023. On parle musique, on parle aussi d'humour et encore de musique. Donis, cet événement, c'est-à-dire les Evala en pays Kabyé ne se passeront pas sans les anciens. En effet, c'est ce qu'on a essayé de faire pour le 15. C'est vrai, pour certains, c'est une surprise. Small Poppy, ça fait des années. Wadi, ça fait des années. Mais ce sont les piliers, les pionniers du hip-hop, du R&B au Togo. Raison pour laquelle on a voulu faire un mix intergénérationnel. D'accord. Avec ceux-ci aux côtés des artistes du moment. Bien. Yeah. Small Poppy. Bien, yeah, Small Poppy, the big man. Comment tu vas? Je vais très bien, mon frère. Grand plaisir de t'avoir aussi avec nous. Hein. C'est la première fois aussi que tu passes par ici. Ouais, c'est la première fois. C'est nous qui n'invitons pas souvent ou bien c'est toi qui ne veux pas? Non, mais c'est vous. Sinon, bien. Moi je veux. Hein. D'accord, on va essayer de corriger cela. Ok, merci beaucoup. The Homeboy. Oui, mon frère. Bonne arrivée à la maison. Merci beaucoup. Ça va? Ça va très bien. Alors, on vous considère comme des pionniers, comme vient de le dire tout à l'heure Donis. Vous serez aussi à Accra. Accra, vous êtes habitué à Accra depuis de longues années, ouais, depuis ouais. pratiquement plus d'une décennie. Oui. Alors,
Est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que ça va être la même euphorie, la même effervescence autour de vos fans qui vous attendent certainement? Voilà, donc déjà, je salue tout le public de Cara. Donc, bonne fête et voilà à tout le monde. Donc, on sera à Cara très bientôt, c'est mon papier et moi. Et c'est vrai que bon, on a déjà eu à faire des tournées là-bas, mais on a un peu disparu. Toi, tu étais, ça fait encore un mois. Oui, 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 on a un peu disparu, mais on revient en force. Okay. Donc, c'est pour montrer les nouvelles trucs qu'on a encore appris. Vous avez appris quoi encore? On a appris plein de choses. On a eu à voyager, on a eu à participer à des festivals. Donc, okay. On a appris certaines choses. Il y a aussi, au-delà de l'apprentissage, il y a aussi de nouvelles sorties que vous voulez découvrir au public de Cara. Ouais. Smart Poppy, Life Goes On. Life Goes On, c'est le dernier titre. Ouais, le dernier titre, okay. Life Goes On. Hein, ça veut dire ne baisse pas les bras. Ouais. Et donc, la vie continue. Continue, continue. Ouais. Moi, ce que je voulais dire au public de Cara, c'est que pour certains, Small Poppy, est-ce que Small Poppy est encore en forme? Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce que Small Poppy, quand il va monter sur la scène, il fera comme ce qu'il faisait avant? Il peut être encore si fort? Ouais. Donc moi, je voulais leur prouver, leur montrer que leur artiste... Qui demeure toujours en forme. Voilà. Ok. Donc ce qui veut dire, au-delà du fait que tu auras à chanter, tu auras aussi à danser. Parce c'est ça. Tu es un grand break danseur. Ouais, c'est de ça que je parle même. Okay. C'est la danse même, ils vont voir ça. D'accord. Mais c'est maintenant. La dernière fois que tu es à la Cara, c'est quand? Ça fait longtemps déjà. Hein. Moi, j'ai plus été, ça fait longtemps. Ok. Ouais. Donc, si il n'y avait ça. Pas programme de stress. Ouais. Je dirais que c'est grâce à New World TV que j'y vais encore. Ouais. Sinon, ça fait longtemps déjà. Ok. Ouais. La dernière fois que tu es allé, qu'est-ce qui t'a marqué réellement chez le public de Cara? Oh, le public de Cara, c'est comme une famille. Hein, parce que je suis jamais. Je suis jamais y allé et puis être dessus. Comme Small Poppy, pour la plupart, la danse de Small Poppy, autre là. Donc, j'ai aimé déjà même, disons, la nourriture de gens. Ouais, de là-bas. Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu as aimé particulièrement? J'oublie le nom là. Quelque chose. J'avais mangé, je n'ai jamais mangé ça, pour dire la vérité. Ouais, donc, là, on a été avec un DG, voilà, et on avait sorti ça. Même l'autre chose là même. On a goûté. C'est pas Chukutu même. High level quoi. Ah bon? On a goûté ça aussi quoi. Je sais pas ce que c'est quand même. Ouais, c'est high level. Faut être à Cara pour passer de ce moment papier. D'accord, le high level. Donc, j'ai goûté à ça aussi quoi. Donc, ça m'a marqué quoi. J'ai dit, voilà, c'est ce que c'est quoi. Donc ici c'est le 15. C'est le 15 juillet, la soirée old school sur les Evala. Ah, pourquoi le choix spécifiquement de ce mot pop et de Wendy? On aurait pu trouver mieux, peut-être? Non, c'est vrai que c'est l'ancienne génération. On a voulu commencer avec eux. Peut-être que c'est pas la fin, je viens de dire Traditou, c'est pas seulement Cara. Okay. Donc on aura d'autres scènes. D'accord. Sur lesquelles forcément vous verrez donc les anciens. C'est vrai que c'était un truc, un secret gardé, mais tu m'as arraché la langue, je l'ai dévoilé. Donc ils seront là, Small Poppy, Webby, très connu, Eric MC peut-être sur d'autres scènes, très connu. Le public de Cara, en tout cas la population de Cara, va encore découvrir Small Poppy et Webby avec leurs chansons, avec Sam et Yonkon et Madirago. Ah, oui. Oui, voilà. Mademoiselle, Mitin qui a été remixé même avec Connie Gangster. Tu as la pointe de l'information. Mais c'est son métier. Bien, on rappelle que l'événement c'est le 15 juillet. Oui, sur le terrain de Tomden, le CG Tomden. Vous prenez la voie de Lassa, juste à gauche. Vous avez le terrain là-bas, on va encore faire de la bonne ambiance, d'accord, comme on l'a fait l'année passée. Les trois événements, les trois séries d'événements sont à la même heure. 19h. Donc à 19h, l'invitation au public de Cara d'être présent. Déjà le 13, on sera au carrefour du terrain Asco. À 19h. À 19h. Oui. Le 14. Avec Connie Gangster. Avec Connie Gangster et les autres, Stetlo, King Maz. King Maz. Le 14, on sera avec les humoristes de côté, l'imbattable et Ralicia pour faire de l'ambiance au niveau de l'esplanade de la station Shell. Et le 15, ce sera sur le terrain, ce j'ai tombé. Toujours à 19h. Toujours à 19h. Avec Wally, Small Poppy et bien d'autres encore. Tony X et les artistes de Cara. D'accord. Bon, tous les événements sont gratuits, il faut le rappeler.
On a dit que c'est public, c'est ouvert au public, c'est grandement ouvert, il n'y a pas de clôture. Donc vous venez quand vous voulez, soyez à l'heure et ça va faire. D'accord. Alors pour cette deuxième édition, on se souhaitera donc bonne chance. En effet. Pour ces bons moments de plaisir et surtout d'émotion à vivre sur place, c'est du 13 au 15 pour les séries de spectacles. Mais nous y serons sur place du 8 au 16 juillet 2023 pour le Festival Evala, toujours avec Neo TV dans son programme No Stress. Alors Small Poppy, Weddy, merci d'être passé. Merci à toi, sur Neo TV. On vous retrouve donc dans une semaine précisément, voilà, sur scène à Cara. Merci. Très bonne suite de programme à tous. On rappelle une fois encore, nous étions avec Donis Aivi, chef département médias et relations presse à Sigma Corporation. Sigma qui s'occupe justement de la branche événementielle de New World. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve donc dans une semaine pour les grandes séries d'événements autour de New World TV à Cara. Et c'est du 8 au 16 juillet à vivre sur nos chaînes. Merci. Bienvenue les vacances sur New World TV. Ah oui, le boss des événements sportifs. D'intenses plaisirs à vivre avec nos programmes riches et variés. Ces vacances, c'est nos stress avec la Coupe du Monde féminine, les éliminatoires de l'Euro 2024, les phases finales de l'Euro U21 et la Ligue des Nations. C'est aussi nos stress avec nos dessins animés hyper fun. Des séries aussi intrigantes que passionnantes. Des feuilletons assez captivants. Les écrans de New World TV régalent à loisir vos yeux. Avec New World, c'est du kiff total. Ces ouais, vacances. Ouais, ouais. 2500 seulement et vous avez droit au bouquet New World TV pour zapper à jamais le stress. New World. Now you are watching.